C'est ici sur le fleuve Congo, dans le bateau majestique, que les bureaux politiques de la majorité présidentielle, élargis au président des groupes parlementaires et les communicateurs de la majorité présidentielle se sont fixés rendez-vous pour répondre à l'invitation du secrétaire général de l'AMP, Obemina Kundiala Njoko. Objectif de cette réunion, réaffirmer les soutiens inconditionnels au candidat du FCC, Emmanuel Ramazani Shadary, présent en ces lieux. Nous sommes à plusieurs composantes. Nous travaillons pour gagner demain, avoir une majorité plus écrasante, une majorité davantage intelligente, une majorité plus compacte, une majorité prête à tout instant sur le bord à réagir aux instructions de l'autorité morale. Disciplinés et motivés, les membres du bureau politique de la majorité présidentielle, les présidents des groupes parlementaires et les communicateurs de la MP ont réaffirmé leur loyauté envers l'autorité morale, Joseph Kabila Kabangé. Nous avons tenu à honorer notre candidat comme majorité présidentielle, composante essentielle du Front commun pour le Congo. Nous ne l'avons jamais fait et comme il n'est jamais trop tard pour poser un tel geste, nous avons décidé qu'aujourd'hui était le jour pour lui manifester notre attachement et exprimer à notre autorité morale la satisfaction que nous inspire la décision qu'il a prise. Dans l'optique de gagner les paris des élections, le membre de la majorité présidentielle font bloc derrière les candidats du FCC, Emmanuel Ramazani Shadary, pour la victoire finale aux élections prévues le 23 décembre 2018. Ce que j'apprécie dans cette famille politique, c'est la cohérence. De tout temps, tout a été cohérent et tout le monde est rangé derrière les instructions du chef de l'État. Je pense que lorsqu'il donne des instructions pour soutenir une personne, nous tous nous allons dans la même direction. C'est sous le signe de la victoire. La victoire parce que nous disons, nous ne connaissons pas l'échec. En 2006, nous avions un candidat. Nous, les lieutenants, nous nous sommes battus, nous l'avons fait passer. En 2011, nous avions un candidat. Nous, les lieutenants, nous nous sommes battus, nous l'avons fait passer. Et aujourd'hui, nous avons un candidat, donc la majorité qui est en train de se muer aujourd'hui en FCC, va encore se battre et nous connaîtrons toujours la victoire.